On dit souvent, artiste, c'est pas une vie. Ou, c'est triste la vie d'artiste. Mais franchement, je vous le demande, qu'est-ce qu'on en sait? Et d'abord, ils sont où? Sur un petit nuage ou enfermés dans leurs ateliers? Eh bien, pas du tout. Ils sont dans Cityvision, parce qu'ils aiment ça et parce que c'est chouette la vie. C'est un truc que tu fais parce que de toute façon il faut que tu le fasses quoi. Parce que t'as besoin de le faire. C'est même pas que t'as besoin quoi, c'est pire que le besoin quoi, tu peux pas vivre sans. Moi si je pars trop longtemps en vacances puis que je peux pas jouer du piano, je commence à être malade quoi. Je commence à tourner en rond puis à essayer de repérer un café où je peux jouer du piano quoi. Quand on a vraiment dans le cœur, dans les tripes, ça, je crois qu'il faut y aller parce que c'est une passion qui est formidable à vivre au jour le jour, c'est puissant. On les dit décalés, marginaux ou êtres d'exception, on les envie comme on les ignore, les artistes ont en fait une chose bien à eux qui s'appelle la passion. Ils vont avec elle véhiculer leurs rêves, nourrir notre imaginaire. La création est leur besoin vital, mais au quotidien, qui sont-ils? Comment est leur vie d'artiste? Il y a des moments où on travaille beaucoup, beaucoup, et puis quelquefois il y a des grands creux où on déprime parce qu'on se dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux encore travailler? Beaucoup de travail, des journées très très chargées. Ici au Havre, assez difficile dans le sens où il n'y a pas vraiment un milieu professionnel, ou du moins il y en a peut-être plein de petits milieux, mais qui ne se regroupent pas. Ce qui fait qu'on est chacun est assez isolé. Et ça, c'est un petit peu dur. Alors qu'à Paris, par contre, on se retrouve beaucoup plus facilement. Le fait de faire un métier artistique, ça amène à avoir des préoccupations et des centres d'intérêt qui sont sûrement un peu... On est toujours polarisé par ce qu'on fait. C'est vrai, il faut être réaliste, on n'est pas tout à fait comme la majorité des gens quand même. C'est être intermittent du spectacle, donc c'est gagner sa vie. Quand on commence à être connu, disons, grâce à certains cachets, et autrement, donner des cours, travailler d'une autre manière, quoi, pour pouvoir vivre. Quoi. J'en vis pas, les intermittents du spectacle, parce que je pense qu'ils n'ont pas, c'est pas une place sociale enviable. Je pense qu'il faut toujours, quand on est intermittent du spectacle, se battre pour... faut toujours qu'on se remette en question et puis toujours se battre pour trouver justement le travail dont on a besoin pour vivre. Bon, aussi bien tu vas te retrouver à jouer dans un bar qui organise des petits concerts, tu vas gagner 1500 francs, 2000 francs. Bon, si tu veux, dans tout ça, il faut compter qu'on est 4 ou 5 sur la route, il y a l'essence, il faut manger. Enfin, tu vois, c'est tout de suite minime, quoi. Ce qu'on gagne, si tu veux, bon, bah, tout part dans les charges, quoi. Les charges, et puis bon, évidemment, la route, manger, s'acheter un jeu de cordes, et puis ça y est, c'est fini. Il n'y a plus rien. Moi, j'ai jamais cherché le mécénat, quoi. On s'en fout de ça. On va demander qu'on nous protège parce qu'on est capable d'écrire des chansons. L'intérêt de faire ça, c'est effectivement pas l'argent. Ça, c'est certain. Alors si création ne rime pas vraiment avec monnaie, le travail de l'artiste fait malgré cela vivre les fourmis de l'ombre, les techniciens de spectacle. Pour monter un spectacle, il y a deux branches qui sont à mon avis inséparables. C'est le côté artistique, c'est les acteurs, c'est la mise en scène, et il y a le côté technique. On ne fait pas de spectacle sans acteurs, on ne fait pas de spectacle non plus sans techniciens. Que ce soit technicien ou les acteurs, savent très bien qu'il faut absolument fonctionner main dans la main et ensemble, et ça se passe bien. Être artiste, c'est aussi contribuer à la vie culturelle du Havre. Justement, qu'en pensent-ils, eux qui sont sur le devant de la scène? Il y a énormément de choses et les gens n'ont pas la conscience du quart. Bien sûr, il y a la Maison de la Culture et les spectacles qui viennent de Paris, avec des gens connus. Bon, là, le public se déplace. Mais pour qu'ils viennent voir les artistes à vrai, c'est autre chose, hein. C'est très difficile. L'offre artistique, c'est celle qui est constituée par les produits que proposent les artistes locaux. Et quelquefois, l'adéquation est difficile entre les attentes du public. Le public, en général, attend des produits qui sont déjà reconnus. Et les artistes locaux, évidemment, cherchent
autre chose, ils cherchent, eux, à passer, à montrer leur spectacle. Alors, entre ces attentes du public dont on doit tenir compte, et puis les offres artistiques dont on doit tenir compte aussi, parce que notre rôle, c'est de faire vivre la vie artistique locale, on est amené à avoir une politique quelquefois éclectique, et comme c'est une politique éclectique, c'est plus difficile à communiquer. Mais qu'ils soient locaux, connus ou inconnus, les artistes sont là. Il suffirait d'ouvrir les yeux, de tendre un peu l'oreille pour les découvrir.